Aujourd'hui, nous continuons notre travail sur les mots nombres dizaines. Nous allons travailler avec le mot 40. Observe-le bien, c'est un long mot. Pour écrire 40, ça commence comme 4. C'est normal puisque c'est 4 dizaines. Q-U-A-R-A-N-T-E. À ton tour, épelle le mot 40. Ça y est ? Observe-le bien et écris-le sur ton ardoise. Essaye de lever le moins possible les yeux. Vas-y, tu peux mettre la vidéo sur pause. Ça y est ? Vérifie que tu l'as écrit correctement. Q-U-A-R-A-N-T-E. Tu regarderas bien que le « en » de 40 n'est pas le même que celui de 30. C'est un petit piège. Continuons notre travail. Nous allons maintenant travailler avec le mot « 50 ». Comme pour 40, le mot « 50 » commence comme 5, puisque c'est 5 dizaines. Je reconnais donc le mot « 5 » dans « 50 ». Épelons-le. C-I-N-Q-U-A-N-T-E. À ton tour. Bien, maintenant, observe-le, puis écris-le sur ton ardoise en essayant de lever les yeux le moins possible. Vas-y. Vérifions. C-I-N-Q-U-A-N-T-E. Je te propose maintenant de travailler avec le mot 60. 60, c'est 6 dizaines. Je retrouve les lettres du mot 6, S-I-X, mais j'ai un O en plus pour faire le WA. Attention, épelons-le. S-O-I-X-A-N-T-E. À ton tour. Bien, regarde bien comment j'attache le X de 60. Le S, le O, le I. Je ne fais pas le point tout de suite. Comme pour le 10, je monte en tournant, je lève et je viens accrocher la deuxième moitié du X. Je peux venir faire le point de mon I, attacher mon A, mon N, le T et le E. À ton tour, écris le mot 60. Ça y est ? Très bien. Nous allons jouer comme la dernière fois. Je cache le modèle et je vais te demander de retrouver le mot nombre que je te propose. Attention, observe bien les trois mots. Je te demande d'écrire sur ton ardoise le mot 50. Retrouve-le puis écris-le. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Ça y est, tu l'as trouvé ? 50 commence avec le son S. Attention, il peut être fait par le S ou par le C lorsqu'il est suivi du I. Le mot 50 était ici. Je reconnais 5 dans 50. Vérifions. L'avais-tu écrit correctement ? C-I-N-Q-U-A-N-T-E. C'est bon ? Parfait. Jouons maintenant avec le mot 60. Retrouve-le et écris-le sur ton ardoise. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Vérifions. 60 commence avec le son S, que je peux faire avec le C ou le S. Ici, c'était le S suivi du WA. 60. Vérifions. Le mot 60 s'écrit S-O-I-X-A-N-T-E. Attention à bien accrocher le I avec le X. Jouons une dernière fois. Je te propose d'écrire le mot 40. Cherche-le
puis écris-le sur ton ardoise. Vérifions. 40 commence avec le son K, que je peux écrire avec la lettre C, sauf qu'ici, il y a un I, ça fait donc S, ou avec le Q et le U. 40, c'était ce mot-là. Vérifions. 40. Q-U-A-R-A-N-T-E. Jouons maintenant au mot flash. Je te montre le mot rapidement. Tu l'observes, puis tu l'écris sur ton ardoise en mettant la vidéo sur pause. Observe bien le mot 40. Attention, maintenant, écris-le sans modèle. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Vérifions. 40. Q-U-A-R-A-N-T-E. Bien. Jouons maintenant avec le mot 50. Observe-le bien. Maintenant, écris-le tout seul sur ton ardoise. Vérifions. Le mot 50 s'écrit. C-I-N-Q-U-A-N-T-E. Dernier mot que je te propose. Observe bien le mot 60. Maintenant, écris-le sans modèle. Vérifions. 60 s'écrit S-O-I. X-A-N-T-E. N'oublie pas d'accrocher correctement ton I et ton X. Bien. Observe une dernière fois les trois mots du jour. 40, 50 et 60. Tu vas pouvoir t'entraîner à les écrire de nouveau tout seul.